Sueur froide pour les restaurateurs du département. Comme chaque été, une opération vacances est menée par les services de sécurité sanitaire des aliments. Au programme, inspection inopinée des restaurants, sandwicheries, grandes et moyennes surfaces, mais aussi des cuisines dans les centres aérés. Les inspecteurs traquent les défauts d'hygiène qui peuvent s'avérer particulièrement dangereux en cette période de vacances d'été. Anne-Joëlle Artigue de la sécurité sanitaire des aliments. Cette période est plus particulièrement sensible et c'est pour cela que nous organisons des opérations ciblées. C'était le cas ce matin dans un restaurant de l'Abège. Les inspecteurs se sont mis en tenue avant d'inspecter et de prendre en note les moindres détails. Exemple en cuisine avec la préparation des entrées. Christian Vinsac, technicien inspecteur au service sécurité sanitaire. Je vois que là, ils travaillent avec des gants et qu'en particulier, les gants qu'ils utilisent sont des gants qui sont très propres. C'est très souvent au niveau des manipulations et du petit matériel que se font les contaminations. Des contaminations diverses et variées, en plus du non-respect des températures requises en chambre froide, d'autres problèmes sont souvent constatés. Il peut y avoir des défauts d'hygiène, un problème de nettoyage et désinfection insuffisante. Et enfin, l'absence de traçabilité complète. Les sanctions dépendent du degré d'infraction. Cela va du simple avertissement à la fermeture administrative. Ces contrôles auront lieu jusqu'à fin août. Il en est prévu plus de 300 en Haute-Garonne.